passé pour moi et ta voix qui m'appelle, l'agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant. Lutte de crainte de l'agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis ton grand amour. À toi, pardon, naissant retour, je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Bonsoir, bonsoir, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble, que le Seigneur qui vous a accordé la grâce d'être debout jusqu'à cette heure, de respirer, d'entendre, de voir, d'être en mouvement, disons-lui ensemble merci, lui qui nous a aimés. Excellent Père de grâce, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous célébrons ta majesté et nous disons, tu es bon. Tu es bon pour chacun de nous. Tu es bon pour tous ceux-là qui s'attachent à toi. Tu es bon pour tous ceux-là qui espèrent en toi. Nous te disons merci. Nous te disons merci pour tes hauts faits. Nous te disons merci pour tes bienfaits. Nous te disons merci pour ta souveraineté. Nous te disons merci pour ton amour. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Pour notre Seigneur Jésus, qui nous a frayé, donné une place de choix auprès de toi, nous te disons merci. Nous te disons merci, le Dieu qui nous a remplis de puissance et de force. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Et nous te disons merci pour le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et ce même Saint-Esprit est suffisant pour nous équiper, pour nous fortifier, pour nous recharger. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, bienvenue à ce programme. Exposer et détruire la sorcellerie dans les familles. Soyez les bienvenus. Vous qui nous suivez en direct, vous qui nous suivrez après ce programme en direct, vous qui nous suivrez le matin parce que c'est la nuit dans la zone où nous vous parlons, vous qui aurez l'occasion de nous suivre même peut-être après des jours, que la même grâce vous soit accordée au nom de Jésus. Ce soir, nous disons bataille contre la sorcellerie. Bien-aimé, dis avec moi bataille contre la sorcellerie. Bataille contre la sorcellerie. Répète encore cela. Bataille contre la sorcellerie. Bien-aimé, c'est important de savoir avec qui on va en guerre. Tant que tu ne sais pas avec qui tu vas en guerre, tu ne peux pas être en guerre et remporter la victoire.
Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 22, verset 18. Il est écrit dans la version Louis II, tu ne laisseras point vivre la magicienne. J'aime bien la version Martin dans le même livre, Exode 22, verset 18, qui dit, tu ne laisseras point vivre la sorcière. Ça veut dire que les sorciers et les sorcières n'ont pas le droit de vie. Ils n'ont pas le droit de vie parce qu'ils considèrent que certaines personnes sont des butins pour eux. Et Ésaïe 49, versets 24 à 26 dit, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du moût. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Bien-aimé, le Seigneur est ton sauveur, le puissant de Jacob. Il est à tes côtés. Et il te dit dans le livre de Luc, au chapitre 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal, rien ne pourra vous nuire. Et comment bien-aimé, toi, tu peux savoir que rien ne pourra te nuire. Il te le rappelle dans le livre de Marc, au chapitre 16, du 17 à 18, il est dit, versets 17 et 18. Et ces signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur nuira pas. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Voilà ce que l'ennemi, toi tu fais, toi bien-aimé, tu fais de l'ennemi. Voilà ce que tu fais de lui. Il ne peut rien te faire, l'ennemi. Le méchant ne peut rien te faire. Le méchant n'a plus de pouvoir sur toi. Pourquoi? Parce que tu fais de lui ce que tu veux. Tu as le pouvoir. Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous faire du mal. Rien ne pourra vous nuire. Tu as reçu le pouvoir, bien-aimé. Tu as reçu le pouvoir de ne pas laisser vivre le magicien. Tu as reçu le pouvoir de ne pas laisser vivre le sorcier. Tu as reçu le pouvoir de tourmenter ceux qui te tourmentaient. Tu as reçu le pouvoir de chasser les démons. Tu as reçu le pouvoir d'anéantir ceux qui croyaient t'anéantir. Tu as reçu le pouvoir, bien-aimé. Alors c'est à toi de saisir ce pouvoir ce soir. Cette nuit encore, tu dois exercer ton pouvoir. Cette nuit encore, tu dois faire cette bataille contre la sorcellerie, entrer dans cette guerre contre la sorcellerie. Tu dois savoir que dans cette guerre, c'est toi qui es victorieux. Tu dois savoir que dans cette guerre, il n'y a point de géant. Les géants ne sont pas au-dessus de ce que tu es. Ils sont géants pour ceux qui ne connaissent pas leurs droits. Mais toi, tu es plus que géant. Amen. Bien-aimé, alors, pour que tu reçoives cette autorité-là, il te faut Jésus. Il faut que tu sois en accord avec Jésus. Et la parole de Dieu dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner. Alors je vais t'inviter, bien-aimé, à confesser tes péchés.
Oui, il peut arriver que tu n'aies rien fait. On ne confesse pas pour confesser. Mais tu as marché peut-être toute cette journée. Peut-être que tu as eu à commettre un acte indélicat. Peut-être que tu as eu à faire quelque chose qui n'est pas honorable. L'occasion t'est donnée maintenant, avant qu'on entre dans cette prière, de demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour cette personne que tu as méprisée peut-être. Demande pardon à Dieu pour cette personne que tu as médite. Demande pardon à Dieu pour cet acte maladroit que tu as posé. Demande pardon à Dieu peut-être pour quelque chose que tu n'aurais pas dû faire, mais que tu as eu, qui t'est arrivé de faire. Et depuis que tu as fait cette chose, tu as posé cet acte, tu ne te sens pas libre. Alors, je t'invite à demander pardon à Dieu. Et lorsque tu demandes pardon à Dieu, demande pardon à Dieu au nom de Jésus. Parce qu'il a dit dans la parole que tout ce que vous demanderez à mon nom, donc même si vous demandez pardon à mon nom, le pardon vous sera accordé. Amen. Bien-aimé, avec toi, je vais plaider le sang de Jésus. Et pendant ce que je plaide le sang de Jésus, plaide le sang de Jésus toi aussi. Père, je plaide le sang de Jésus sur tous ceux qui sont en communication et en communion avec toi dans ces réseaux sociaux. Je plaide le sang de Jésus même dans ces réseaux sociaux. Je plaide le sang de Jésus sur mon esprit, sur l'esprit de tes servantes et de tes serviteurs. Je plaide le sang de Jésus dans leur corps. Je plaide le sang de Jésus dans leur habitat. Je plaide le sang de Jésus dans leurs activités. Je plaide le sang de Jésus sur eux, partout où ils sont réunis, qu'ils nous suivent en direct ou en différé. Je plaide le sang de Jésus sur eux. J'élève une muraille de feu du Saint-Esprit autour de vos maisons, autour de vous. Oh Dieu, que cette prière localise tous ceux qui sont sortis de toi. Que cette prière localise tous ceux qui sont sortis de moi, qui portent nos sangs. Que cette prière les localise au nom de Jésus. Ceux qui dorment dans la maison, dans les maisons, ceux qui nous écoutent, qu'ils soient dans les positions de prière, qu'ils soient assoupis, qu'ils soient couchés. Que les maisons qui nous occupent, qui nous écoutent en ce moment, soient envahies du flot du sang de Jésus. Que ces maisons soient envahies du flot du sang de Jésus. Nous plaidons le sang de Jésus sur toutes choses ce soir, au nom puissant de Jésus. Amen. Tu as demandé pardon à Dieu, tu t'es repenti. Maintenant que tu connais tes droits, que tu as le pouvoir de renverser les dominations maléfiques, tu as le pouvoir de te hisser ce soir pour batailler, pour faire la guerre à la sorcellerie. Maintenant, nous entrons avec force dans cette prière. Dis avec moi, sorcellerie cachée dans ma lignée. Je t'ordonne, sors et meurs au nom de Jésus. Sors et meurs au nom de Jésus. Bien-aimé, ordonne à cette sorcellerie qui est cachée dans ta lignée sanguine, celle qui dort et qui attend te stopper, ordonne cette sorcellerie à sortir et à mourir au nom de Jésus. Toi, sorcellerie qui est cachée dans mon sang. Toi, sorcellerie qui est cachée dans le sang de mes enfants. Toi, sorcellerie qui est cachée dans le sang des membres de ma famille. Je t'ordonne de sortir et de mourir. Sors et meurs au nom de Jésus. Sors et meurs au nom de Jésus. Bien-aimé, attaque-toi à la sorcellerie de ta lignée sanguine, au nom puissant de Jésus. Laisse d'abord la sorcellerie du voisin. Laisse d'abord la sorcellerie du lieu de service. Attaque d'abord celle du lieu de ta lignée sanguine, au nom puissant de Jésus. Je dis, toi, sorcellerie de ma lignée sanguine, je t'ordonne de sortir. Je t'ordonne de mourir, au nom puissant de Jésus. Ta puissance et ta course s'arrêtent dans mon sang, au nom de Jésus, dans le sang de mes enfants. Ça s'arrête au nom de Jésus. Partout où tu faisais des ravages, ça s'arrête au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, dis avec moi, tout pouvoir de sorcellerie, de la communauté d'où je sors,
Bien-aimé, tu connais la communauté d'où tu sors. Si tu sors de la communauté du centre, du centre, du sud, de l'est à l'ouest, tu sors chez les Boulous, chez les Douala, chez les Bamiléké, chez les Banènes. Tu sais d'où tu sors. Si tu sors chez les Européens, chez les Européens, peut-être tu as les Français, quel que soit là où tu sors. Toi-même, tu connais, attaque cette sorcellerie-là, la sorcellerie de ta communauté qui attaque l'éducation, qui attaque la grandeur, qui attaque les bonnes choses dans ta famille. Dis à cette sorcellerie qu'elle est tellement, qu'elle doit sortir au nom de Jésus, qu'elle sorte de ton sang, qu'elle sorte par le feu au nom puissant de Jésus. Tout pouvoir de sorcellerie, de la communauté d'où je sors, tout pouvoir de la sorcellerie, du continent d'où je sors, tout pouvoir de la sorcellerie, du village d'où je sors, toi qui attaques l'éducation de mes enfants, toi qui attaques l'éducation de mes parents, toi qui attaques mon éducation, toi qui attaques la grandeur, toi qui attaques les bonnes choses dans ma famille, tu es un menteur. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors. Toi qui as l'habitude de renverser les géants, les traits dans ma famille, je dis tu sors au nom de Jésus. Tu sors au nom de Jésus. Je refuse de collaborer avec toi. Je refuse de pactiser avec toi. Sors et libère mon sang. Sors et libère le sang de mes enfants. Sors au nom de Jésus, bien-aimé. Traque cette sorcellerie. Celle qui dit personne ne va étudier. Celle qui dit personne n'aura, il n'y aura pas de bonnes choses dans cette famille. Dis à cette sorcellerie qu'elle est sur le mauvais chemin, qu'elle ne peut pas, elle ne peut pas renverser l'éducation, elle ne peut pas anéantir tes enfants. Elle doit mourir dans ton sang. Elle doit mourir au nom de Jésus. Elle sort et elle meurt par le feu. Elle sort et elle meurt. Par le feu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, sorcellerie de mon lieu d'habitat, sorcellerie de ma communauté, sorcellerie de mon village, sors au nom de Jésus, libère mon sang, toi qui attaques l'éducation, toi qui attaques la grandeur, toi qui attaques le travail, sors au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas dire avec moi. Toute racine de la sorcellerie dans ma fondation familiale. Prends feu et brûle en cendres au nom de Jésus. Bien-aimé, prie, 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 prie. Toute racine de la sorcellerie dans ma fondation familiale. Prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu au nom de Jésus. Assez, c'est assez. Prends feu au nom de Jésus. Assez, c'est assez. Au nom puissant de Jésus, prends feu. Racine de la sorcellerie dans ma fondation familiale. Prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Toi qui as attaqué mes ancêtres et tu veux aussi m'attaquer. Je me lève contre toi cette nuit. Prends feu au nom de Jésus. Le sang de Jésus est contre toi. Libère ma destinée. Libère ma fondation. Libère la fondation de mes enfants. Prends feu au nom de Jésus. Je dis racine de la sorcellerie. Prends feu au nom puissant de Jésus. Libère, 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 libère les captifs de ma famille. Toi, ceux que tu as tenus captifs de la famille, libère-les, libère-les, libère-les au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te taille en pièces. Je te taille en pièces. Et tu brûles, et tu brûles, et tu brûles, et tu brûles au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas prier contre toute flèche de sorcellerie. Les flèches de sorcellerie qui ont visé ta santé. Les flèches de sorcellerie qui ont visé tes enfants. Les flèches de sorcellerie qui ont été tirées sur ton conjoint. Et aujourd'hui, tu ne comprends rien. Tu es avec des gens, mais c'est comme si tu es seul. Ce poison doit sortir. Le poison qui change les comportements dans ta famille. Le poison qui change les mentalités dans ta famille. Ce poison de sorcellerie doit sortir. Bien-aimé, prie, 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 prie avec rage. Fais ce point de prière avec rage. Toute flèche de sorcellerie contre ma santé, contre la santé de mes enfants,
contre la santé de mon conjoint. Sors avec ton poison. Sors avec ton poison. Sors avec ton poison. Au nom de Jésus. Je dis flèche de sorcellerie. Tirez sur moi. Tirez sur mes enfants. Tirez sur mes organes vitaux. Je dis au nom de Jésus. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors avec ton poison. Tu sors avec ton poison. Au nom de Jésus. Poison de sorcellerie, sors de ce corps, sors de ce corps, bien-aimé, tape ton corps, tape ton corps, tape ton corps, tape ton corps, tape ton ventre. J'ai dit tape ton corps, tape ton ventre, tape ton dos. Partout où ce poison était localisé, ce poison, tu le vomis. Le poison producteur des maladies dans ton corps à cause des flèches qui ont été tirées dans ton corps. Le poison qu'on a injecté dans le sommeil et tu te réveilles avec les boutons, ça sort au nom de Jésus. Ce poison doit sortir. Ce poison doit sortir. Il sort au nom de Jésus. J'ordonne à tout corps qui a reçu une injection démoniaque au nom de Jésus. Je dis ça sort, je dis ça sort, je dis ça sort. Vomis, vomis ça au nom de Jésus. Vomis ce poison avec les maladies qui l'accompagnent au nom puissant de Jésus. Je dis toi le poison qui a été injecté dans le corps de mon frère que voici, dans le corps de ma soeur, dans le corps de cette femme, de cet enfant, dans le corps de cet homme. Je t'ordonne de sortir, je t'ordonne de sortir, je t'ordonne de sortir. Vomis ce poison au nom de Jésus. Je dis tu vomis ce poison, celui qu'on t'a injecté dans le sommeil, tu vomis ce poison, celui que tu as pris sur la table des démons, tu vomis ce poison, celui qui a affaibli ton cœur, tu vomis ce poison au nom puissant de Jésus, celui qui te rend faible, je dis tu vomis ce poison au nom puissant de Jésus, il sort de ton corps, il sort de ton être, il sort au nom de Jésus, vomis ce poison au nom puissant de Jésus, tout poison mon frère, ma soeur, qu'on t'a injecté, qu'on t'a fait boire, qu'on t'a fait manger. J'ordonne maintenant qu'il sorte de ton être au nom puissant de Jésus. J'ai dit, il sort. J'ai dit, il sort et tu le vomis au nom puissant de Jésus. Il sort, tu le vomis au nom de Jésus. J'ai dit, toute flèche de sorcellerie qui a été tirée contre ta santé, toute flèche de sorcellerie qui a été tirée contre la santé de tes enfants, la santé de ton conjoint, sort maintenant au nom de Jésus. J'ai dit, flèche de sorcellerie, tu t'en vas. Tu retournes à l'envoyeur et le poison que tu as accompagné dans ce corps, je dis ça sort, je dis ça sort, je dis ça sort au nom de Jésus. Mon frère, vomis ce poison, tape ton corps, ne ménage pas ton corps, tape ton corps. Il y en a, on a fait manger la viande cette nuit et tu as cru que c'était la patte d'un animal alors qu'on te faisait manger tes propres organes. Je dis ça sort au nom de Jésus. Je dis j'appelle la restauration des organes. J'appelle la restauration des organes. À toi à qui on a fait manger la viande cette nuit alors que c'était la chair humaine, je dis ce poison sort au nom de Jésus. Je dis ça quitte ton corps, ça quitte ton corps, ça quitte ton corps et tu le vomis au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que qui que ce soit t'a fait manger sur la table des démons cette nuit, une viande de condamnation, une viande qui te connectait à la sorcellerie familiale parce que tu es sur un autel où tu es en train d'attaquer ces choses et ils ont décidé de te faire manger cette sorcellerie, de te faire participer de façon inconsciente à cette sorcellerie. Je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus qu'ils mangent eux-mêmes leur propre chair, qu'ils boivent eux-mêmes leur propre sang et que le poison qui t'ont mis, cette initiation à la sorcellerie, au nom de Jésus, je t'en sépare, je t'en sépare, je t'en sépare au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, dis avec moi, toute tragédie de sorcellerie préparée contre ma famille et moi, retourne à l'envoyeur par le feu au nom de Jésus. Retourne à l'envoyeur par le feu au nom de Jésus. Bien-aimé, prie, 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 prie. Toute tragédie de sorcellerie préparée contre ma famille et moi, retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur par le feu, par le feu, par le feu. Retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tragédie de sorcellerie préparée contre ma famille et moi, retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur par le feu au nom de Jésus. Bien-aimé, prie, 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 prie.
Prie, 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 prie. Cette tragédie doit retourner à l'envoyeur. C'est le trimestre où les noms sont confirmés dans les loges. C'est le trimestre où les gens sont en train d'activer les réseaux des sectaires. C'est le trimestre où les sacrifices sont en train d'être confirmés. Bien-aimé, tu n'es le sacrifice de personne. Je ne suis le sacrifice de personne. Alors, toute tragédie de sorcellerie préparée contre ma famille, contre ta famille, contre nous, au nom de Jésus, nous retournons à l'envoyeur par le feu, par le feu, par le feu, et nous incendions les endroits, nous incendions les autels qui ont proclamé cela au nom puissant de Jésus. Ces autels prennent feu, ces autels prennent feu avec leur sacrificateur. Amen. Dis avec moi, tout pouvoir des ténèbres qui rase ma tête et les têtes des membres de ma famille au quotidien tombe et meurt au nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Quel est le pouvoir de ténèbres qui rase ta tête? Tu es une femme mariée, on vient te coiffer. Là, dans les rêves, on te coiffe. C'est quel pouvoir qui vole la gloire de ton mariage? Quel est ce pouvoir qui vole ta gloire, qui vole la gloire de ton mari, qui vole le travail de ton mari, qui vole la renommée de ton mari, qui vole la destinée de ton mari? Bien-aimé, c'est une sorcellerie. Tout pouvoir des ténèbres qui rase ma tête et les têtes des membres de ma famille au quotidien tombe et meurt au nom de Jésus. Bien-aimé, prie avec rage au nom puissant de Jésus. Toi, le pouvoir des ténèbres, toi qui rase ma tête, toi qui viens coiffer ma tête, toi qui rase la tête des membres de ma famille, toi qui rases la tête de mes enfants, au nom puissant de Jésus, tu tombes et meurs, tu tombes et meurs, tu tombes et meurs, au nom de Jésus. Bien-aimé, prie, 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 prie. Il y a un pouvoir qui doit tomber cette nuit. Il y a un pouvoir, le pouvoir qui avait pris l'habitude de venir seulement te coiffer dans les rêves. Ce pouvoir doit tomber, ce pouvoir doit tomber, ce pouvoir doit tomber. Et tu es la personne juste pour faire tomber ce pouvoir. Ne le laisse pas debout. Le moment est venu où ce pouvoir doit être renversé au nom puissant de Jésus. Le moment est venu pour que les voleurs de gloire soient rattrapés et fouettés au nom de Jésus. Le moment est venu pour que ceux qui avaient l'habitude d'exterminer les familles par le rasage des têtes, le moment est venu pour que ce pouvoir s'arrête au nom de Jésus. Tout pouvoir des ténèbres qui rase ma tête, qui rase la tête des membres de ma famille. Au nom de Jésus, tu tombes et meurs. Je dis, tu tombes et meurs. Je dis, tu tombes et meurs. Au nom puissant de Jésus, c'est ta fin cette nuit. Tu tombes et meurs. Au nom de Jésus, je dis, toi, le pouvoir des ténèbres qui rase les têtes, qui rase les têtes dans ma famille, qui rase ma tête, qui vaut la gloire de mon mariage, qui vaut la gloire de mon mari, qui vaut le travail de mon mari, qui vaut la santé de mon mari. En rasant ta tête, c'est bien-aimé. Toi, la femme, on est en train de voler dans ton mariage. On est en train de toucher à ton mari. Ce pouvoir tombe et meurt. Ce pouvoir tombe et meurt. Ce pouvoir tombe et meurt. Au nom de Jésus. Il tombe et il meurt. Il tombe et il meurt. Au nom de Jésus. Et nous disons à... Dis avec moi, sorcellerie des foyers. Sorcellerie atmosphérique, sorcellerie marine, sorcellerie territoriale, emprise de sorcellerie sur l'Église. Toi qui œuvres contre ma famille et moi, écoute-moi bien, prends feu et brûle ensemble, prends feu et brûle ensemble, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je dis sorcellerie des foyers, sorcellerie atmosphérique, sorcellerie marine, sorcellerie territoriale, emprise de sorcellerie sur l'Église. Toi qui œuvres contre ma famille, toi qui œuvres contre moi, écoute-moi bien, prends feu et brûle, prends feu et brûle ensemble, prends feu et brûle ensemble, prends feu et brûle ensemble, bien-aimé.
Brûle cette sorcellerie atmosphérique. Tu es dans un environnement où rien ne prospère. Tu es dans un environnement où il n'y a pas de bonnes nouvelles. Tu es dans un environnement où il n'y a rien de bon. Tu es dans un environnement où c'est seulement les querelles qu'on entend à longueur de journée. Cette sorcellerie doit brûler. Cette sorcellerie doit brûler. Elle doit prendre feu et elle doit brûler au nom puissant de Jésus. La sorcellerie territoriale qui ne donne que des calamités. La sorcellerie territoriale qui n'annonce que des mauvaises nouvelles. Elle doit prendre feu au nom de Jésus. Bien-aimé, incendie cette sorcellerie. Incendie les auteurs de cette sorcellerie. Incendie la base de cette sorcellerie au nom puissant de Jésus. Que leur base soit aérienne. Que leur base soit marine. Qu'elle soit terrienne au nom puissant de Jésus. Ces bases prennent feu. Leur base prenne feu. Leur base prenne feu. Leur base prenne feu au nom puissant de Jésus. Nous mettons du feu dans les bases de sorcellerie, qu'elles soient atmosphériques, qu'elles soient marines, qu'elles soient territoriales. Je dis prenez feu, qu'elles soient aériennes. Je dis prenez feu au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Prenez feu, prenez feu, prenez feu au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Bien-aimés, fais ce point de prière. Sorcières et sorciers, opérant contre ma vie et contre ma famille, je vous ordonne de manger votre chair et de boire votre sang au nom de Jésus. Bien-aimé, qui veut manger ta chair? Il y a des gens qui sont programmés. On a dit avant décembre, voilà quelqu'un qu'on va cotiser. Qui veut te cotiser? Que la personne mange sa chair et boive son sang au nom puissant de Jésus. Je dis, celui qui se tient et dit que c'est toi qui es l'objet de cotisation en cette fin d'année, la personne mange sa chair et boit son sang au nom puissant de Jésus. Mais tu dois le déclarer. Tu dois le déclarer. Tu dois condamner cette personne à manger sa chair et à boire son sang. Et tu dis avec moi, sorcière et sorcier, opérant contre ma vie et contre ma famille, je vous ordonne de manger votre chair et de boire votre sang au nom puissant de Jésus. Je dis sorcières et sorciers, que vous soyez de la famille, que vous soyez de l'environnement, que vous soyez du village, où que vous soyez, qui que vous soyez, l'heure est venue. À partir du moment où vous avez décidé d'avoir l'identité des sorciers, l'identité des sorcières, la parole de Dieu m'a dit tout à l'heure qu'on ne laissera pas vivre les sorciers et les sorcières. Cette parole est claire. Lorsqu'elle dit dans Exode 22, verset 18. Les sorciers et les sorcières ne doivent pas vivre. Alors je vous condamne à boire votre sang, à manger votre chair. Je dis sorciers et sorcières de mon village, sorciers et sorcières de la maison de mon père, sorciers et sorcières, mangez votre chair, buvez votre sang au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Point de salut pour vous, point de repentance pour vous, au nom de Jésus. Mangez votre chair, buvez votre sang au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Bien-aimés, fais ce point de prière. Technologie de sorcellerie assignée contre ma promotion et les promotions des membres de ma famille. Disperse-toi par le feu. Disperse-toi par le feu. Disperse-toi par le feu. Au nom de Jésus, j'ai dit technologie de sorcellerie assignée contre ma promotion et les promotions des membres de ma famille. Disperse-toi par le feu, disperse-toi par le feu, disperse-toi par le feu. Au nom de Jésus, bien-aimé, fais cette prière. Disperse cette technologie. Disperse-la. Qu'elle perde son emprise, qu'elle perde son emprise, qu'elle soit démembrée au nom puissant de Jésus. Que cette technologie soit démembrée, que ce logiciel ne fonctionne plus. Tout logiciel de sorcellerie qui a été assigné contre ma promotion, ce logiciel qui a été fait de telle sorte que je n'avance pas, que je sois stagnant, que tu n'avances pas, que tu sois stagnant, que tes enfants n'avancent pas, qu'ils soient stagnants au nom puissant de Jésus. Ce logiciel est dispersé, il est saccagé, il est saccagé. Bien-aimé, saccage ce logiciel. Il y a des gens qui commencent une carrière, ils commencent du début jusqu'à la fin, c'est au même, ils n'avancent pas, c'est le même niveau. Ils n'ont pas de profil de carrière, ils n'ont aucune carrière, ils sont stagnants dans leur promotion, ils n'ont même pas de promotion. Quelle est cette personne qui a commencé la course sans qu'il ne gagne cette course-là? Bien-aimé, arrête cela, stop cela
au nom de Jésus. J'ai dit technologie de sorcellerie, assigné contre ta promotion, assigné contre ma promotion, assigné contre la promotion des membres de nos familles. Nous les dispersons au nom de Jésus. Nous dispersons cette technologie. Nous saccageons cette technologie. Elle se disperse par le feu. Elle se disperse par le feu au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, sorcellerie marine, opérant sur la terre sèche, libère ma part divine, libère ma famille et meurs, au nom de Jésus. Sorcellerie marine, opérant sur la terre sèche, libère ma part divine, libère ma famille au nom de Jésus. Bien-aimés, il y en a qui quittent le royaume de l'eau. Ils opèrent dans l'eau et ils quittent même le royaume de l'eau. Ils viennent encore trouver les sorciers du royaume de la terre. Ils vont même trouver ceux de la lune. Bien-aimés, il s'agit de cela, de cette tranche-là. Disperse-les, disperse-les, qui libère ta part, qui libère ta famille. Ils libèrent et ils meurent. Toute sorcellerie marine qui vient opérer sur la terre sèche, au nom de Jésus, que la terre avale, que la terre avale. Que la terre avale au nom de Jésus. Toi, cette sorcellerie, toi qui as quitté même ton domaine dans l'eau, tu laisses l'eau, tu viens opérer sur le sable, sur la terre. Au nom de Jésus, la terre s'ouvre et elle t'avale. La terre s'ouvre et elle t'avale. La terre s'ouvre et elle t'avale. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, prie. Dis avec moi toute alliance avec la reine du ciel. De mon lieu de naissance, qui affecte ma vie et celle des membres de ma famille, soit annulé par le pouvoir dans le sang de Jésus. Soit annulé par le pouvoir dans le sang de Jésus. Prends feu et brûle ensemble. Non seulement tu es annulé, mais tu prends feu. Mais tu prends feu. Tu prends feu au nom de Jésus. Je dis toute alliance avec la reine du ciel de mon lieu de naissance. Qui affecte ma vie, qui affecte la vie des membres de ma famille, soit annulé par le pouvoir dans le sang de Jésus. Bien-aimé, c'est quelle alliance? Tu connais, chacun connaît l'identité, ce qu'il y a de commun dans son lieu de naissance. Est-ce que ce qu'il y a de commun dans ton lieu de naissance, c'est la mort des jeunes? Est-ce que ce qu'il y a de commun dans ton lieu de naissance, c'est la mort des garçons? Est-ce que ce qu'il y a de commun dans ton lieu de naissance, c'est la mort précoce? Est-ce que c'est l'astérité? Est-ce que c'est l'avortement? Quelle est l'identité remarquable que cette sorcellerie véhicule, la sorcellerie de la reine du ciel, véhicule dans ton lieu de naissance? Il s'agit de traquer ça cette nuit. Il s'agit de traquer ça cette nuit parce que si tu es libéré, ceux de ton lieu de naissance aussi sont libérés. Mais tant que tu ne traques pas cela, ceux de ton lieu de naissance vont tourner en rond. Bien-aimé, détache ta famille, détache les membres de ton lieu de naissance en faisant ce point de prière. Toute alliance avec la reine du ciel de mon lieu de naissance qui affecte ma vie et qui affecte la vie des membres de ma famille soit annulée par le pouvoir dans le sang de Jésus. Soit annulée, soit annulée, soit annulée au nom de Jésus. Toi qui amènes les jeunes à s'enivrer de vin, d'alcool, toi qui apportes les addictions dans mon lieu de naissance, addiction d'alcool, addiction de sexe, addiction de drogue, au nom puissant de Jésus. Toi qui entraînes les maux dans mon lieu de naissance, au nom puissant de Jésus, je te traque cette nuit, je te traque cette nuit, je te traque cette nuit, au nom puissant de Jésus. Prends feu et meurs. Je dis, prends feu et meurs. Toute alliance qui avait été tissée avec la reine du ciel pour rendre inutile les gens de ma famille, pour rendre inutile les gens de mon lieu de naissance, pour rendre inutile ma vie, au nom de Jésus, tu prends feu. Au nom de Jésus, tu prends feu. Au nom de Jésus, tu prends feu. Tu prends feu. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, prie. Prie sincèrement. Prie réellement. Parce que si tu ne pries pas sincèrement, si tu ne pries pas réellement, qui priera à ta place? Qui priera à ta place? Dis avec moi, sang de Jésus.
Combat pour moi et libère mes finances et les finances des membres de ma famille. Sang de Jésus, combat pour moi et libère mes finances. Libère les finances des membres de ma famille. Libère les finances des membres de ma famille entre les mains des sorciers, entre les mains des sorcières, au nom puissant de Jésus. Sang de Jésus libère, sang de Jésus combat pour moi, sang de Jésus libère, libère mes finances, libère mon potentiel entre les mains des sorciers et sorcières, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Libère, sang de Jésus, libère mon travail, libère ma promotion, libère mes finances, libère mes entrailles, entre les mains des sorciers et des sorcières, au nom puissant de Jésus. Libère ma destinée, sang de Jésus, libère ma destinée entre les mains des sorciers et des sorcières, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je prie pour toi. Et je déclare cette nuit que tout décret de pauvreté des sorciers sur toi, ce décret est annulé au nom de Jésus. Je dis tout ce que les sorciers, les magiciens avaient décrété sur toi, que tu ne seras rien, que tu ne feras rien, que tu n'avanceras pas, que tu tourneras en rond, que tes enfants ne seront rien, que ton mariage ne réussira pas, que tes affaires ne prospéreront pas. Je brise cet envoûtement des sorciers au nom de Jésus. Je dis, je brise cet envoûtement de sorciers au nom de Jésus. Tout ce qui avait été dit, que tu vas travailler, mais tu ne récolteras, tu ne jouiras pas du bénéfice de ton travail. Je dis, j'annule ce décret. J'annule ce décret. Et j'annule tout ce qui t'attire à travailler et à bénir seulement les autres, à travailler et à donner aux autres. Tu cesses d'être une courroie de transmission de bénédictions réelles au nom de Jésus. Je dis tes bénédictions réelles, ce qui est à toi. Tu cesses d'être une courroie de transmission de tes bénédictions aux gens qui n'en valent pas la peine, aux gens qui n'en ont pas droit, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je suis en train de te dire que j'annule sur toi tout décret qui veut que toi-même tu entretiennes des sorciers au nom de Jésus. Je dis, j'annule sur toi tout décret qui avait été fait, qui avait été tissé, qui avait été dit que ton travail est là pour alimenter les Amalécites, ceux qui te dépouillent. C'est toi-même qui leur donne la force de ton travail. J'annule ce décret au nom de Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, ce que tu travailles est à toi. Tu vois le fruit de ton travail. Tu accèdes à cette promotion. Tu reçois ce qui est à toi. Au nom de Jésus, les sorciers ne mangeront plus sur ta table. Les sorciers ne prendront plus ce qui est à toi. Au nom puissant de Jésus, les sorciers ne se positionneront plus dans ta destinée pour arracher ce qui est à toi. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, prie avec moi. Dis, tout hôtel de sorcellerie qui initie les membres de ma famille et moi, je te renonce et je te maudis. Sois consumé par le feu du ciel et sois réduit en cendres au nom de Jésus. Bien-aimé, fais ce point de premier pas. Il y a des initiations que tu trouves que tout est normal, que tu te retrouves avec les membres de ta famille. La parole de Dieu dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est les gens de ta propre maison qui se connectent à ton sang pour véhiculer la sorcellerie, pour te maudire et pour t'initier à la sorcellerie. Alors tu vas dire avec moi, tout hôtel de sorcellerie qui initie les membres de ma famille et moi, je te renonce et je te maudis. Je te renonce et je te maudis. Sois consumé par le feu du ciel et sois réduit en cendres au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, maudis cet hôtel. Maudis cet hôtel où on amène le nom de tout le monde. Maudis cet hôtel d'idolâtrie, cet hôtel de sorcellerie qui prononce les noms de tout le monde et qui fait les sacrifices au nom de tout le monde.
que tu le veuilles ou pas, tu te retrouves dans leur sacrifice et dans leur autel. Ton nom se retrouve dans leur autel sans que tu ne le saches. Maudit cela à la racine, au nom de Jésus. Renonce et sépare-toi. Renonce et sépare-toi, au nom puissant de Jésus. Tu n'as mandaté personne pour aller faire les sacrifices à ta place. Alors, tout autel de sorcellerie qui initie les membres de ta famille, qui initie les membres de ma famille à la sorcellerie, je me renonce. Moi, je renonce. Je renonce et je maudis. Je dis, je renonce et je maudis. Je n'ai envoyé personne à l'autel de sorcellerie. Mon nom dans l'autel de sorcellerie, tu n'agiras pas. Au nom puissant de Jésus, celui qui m'appellera, son miroir éclatera. Au nom de Jésus, c'est son nom même qui apparaîtra et son miroir éclatera. Au nom de Jésus, celui qui appellera mes enfants, c'est son nom même qui apparaîtra. Et c'est le visage de ses enfants qui apparaîtra au nom de Jésus. S'il n'a pas d'enfant, c'est son propre visage qui apparaîtra. Bien-aimé, fais ce point de prière. Au nom de Jésus, il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Si tu ne veux pas de cette sorcellerie, et parce que tu as dit oui à Jésus, certainement tu ne veux plus de cette sorcellerie. Tu es devenu une nouvelle créature. Et la nouvelle créature n'est pas sorcière. Donc, tu t'es séparé de cela. Et Christ a donné sa nature. Renonce à cela. Tout cela qui usurpe ton identité. Oh, bien-aimé, prie contre eux. Tous les usurpateurs de l'identité, ceux qui utilisent ton nom, qui utilisent un objet t'appartenant, et dis-le, voici. Et peut-être ils ont pris ton habit, peut-être ils ont pris quelque chose qui entre dans ton intimité, et ils disent, le voici, nous le connectons à la sorcellerie. Je dis au nom de Jésus, ils prennent feu, ils prennent feu, ils prennent feu. Les sacrificateurs démoniaques qui s'élèvent pour connecter les membres de famille dans la sorcellerie, je dis, ils prennent feu au nom de Jésus. Ils prennent feu au nom de Jésus. Ils prennent feu au nom de Jésus. Amen. Venez me dire avec moi. Tout instrument de la sorcellerie dans mon corps et dans le corps des membres de ma famille, sort et meurt au nom de Jésus. Bien-aimé, fais ce point de prière en secouant ton corps. Tu ne sais pas la puce démoniaque qui a été mise dans ton corps. Tu ne connais pas cette puce-là. Tu ne sais pas comment c'est entré. Tu ne sais pas quand c'est entré. Tu ne sais pas par quel mécanisme c'est entré. Tu ne sais pas si c'est par une injection démoniaque dans le sommeil que c'est entré. Tu ne connais pas comment cela s'est passé. Mais ce que tu sais, c'est qu'elle ne doit pas exister dans son corps. Bien-aimé, sais-tu qu'il y a des puces démoniaques, des puces qui connectent les sorciers à ta bénédiction, des puces qui montrent aux sorciers que tu as déjà une visitation. Bien-aimé, connecte-toi ce soir et toi-même, détruis cette puce, détruis cet instrument, détruis cet instrument. Est-ce que tu sais qu'il y a des femmes qui ont des visitations de fertilité lorsque c'est leur période de féconde, lorsqu'ils ont la bénédiction déposée? Bien-aimés, il y a la puce qui est dans leur propre corps qui mentionne au sorcier que, elle est déjà bénie. Attaquons. Attaquons-la parce qu'elle est déjà bénie. Allons et buvons le sang de ses entrailles. Allons et prenons cette bénédiction. Bien-aimé, attaque cela. Attaque cela. L'instrument de la sorcellerie dans ton corps. Attaque l'instrument de la sorcellerie dans le corps des membres de ta famille. Qui habite dans ta maison et qui sert de radar? Il utilise quel instrument? Qui sert de radar et qui dit aux gens tes allées et venues? Qui annonce tes bénédictions dans les sectes, dans les clans des sorciers? Qui est le radar dans ta maison? Quel est l'instrument que le sorcier a positionné dans ton corps, dans ta maison, pour refléter comme un miroir ce qui t'appartient? Au nom de Jésus, que cet instrument prenne feu. Que ça prenne feu. Que ça prenne feu. Que ça prenne feu. Que ça prenne feu. Au nom puissant de Jésus. Tout radar dans un corps qui connecte une personne de cette commission à la sorcellerie. Je dis, ce radar est brouillé. Ce radar est brouillé. Ce radar est brouillé au nom puissant de Jésus. Et nous disons amen. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire avec moi, toutes les bagues et les bracelets marins, invisibles et cachés, à l'intérieur de moi, et dans les membres de ma famille, soyez neutralisés et consumés par le feu dévorant de l'Éternel. Au nom de Jésus.
Je dis toutes les bagues et les bracelets marins, visibles ou invisibles, cachés à l'intérieur de moi et dans les membres de ma famille, soyez neutralisés et détruits. Soyez neutralisés et détruits. Soyez neutralisés et détruits. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie, 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 prie. Il y a des bagues et des bracelets. Il y a des bijoux invisibles. Tu ne les vois pas. Ils sont comme des puces à l'intérieur du corps. Ils sont cachés et ils jouent un mauvais rôle dans ton sang. Neutralise-les. Qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient détruits, qu'ils soient consumés par le feu, qu'ils soient consumés par le feu dévorant, qu'ils soient consumés par le feu dévorant. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, appelle le jugement sur eux, appelle le jugement sur ces choses. Au nom puissant de Jésus, qu'ils soient consumés, qu'ils soient consumés, qu'ils soient consumés. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Bien-aimé, dis avec moi, je remonte à Adam et à Ève, des deux côtés, du côté de mon père, du côté de ma mère, si tu es marié, tu dis du côté de ma belle famille, des deux côtés de ma génération, et je coupe toute emprise de la sorcellerie dans ma fondation familiale. Par l'épée de l'esprit, je taille toute emprise de la sorcellerie. Par l'épée de l'esprit, je taille toute emprise de la sorcellerie des deux côtés de ma génération. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je taille toute emprise de la sorcellerie des deux côtés de ma famille, du côté de mon père, du côté de ma mère. Je dis, je taille votre emprise. Du côté de ma belle famille, je taille votre emprise. Bien-aimé, ne négligez pas la sorcellerie de la belle famille. Elle est très efficace pour vous détruire. Elle est efficace pour détruire les mariages. Elle est efficace pour détruire les enfants. Ne négligeons pas cette sorcellerie. Au nom puissant de Jésus, taille cela en pièces. Taille cela en pièces et détruis cela au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, mets ta main sur ta poitrine. Pose ta main sur ta poitrine. Je déclare tout oiseau de sorcellerie enfoncé dans ta poitrine. Cet oiseau prend feu au nom de Jésus. Cet oiseau prend feu et il brûle au nom de Jésus. Je dis tout oiseau qui a été enfoncé dans ta poitrine. On guérit une maladie, on ne voit même pas, la radio ne montre rien. Alors qu'il y a un oiseau démoniaque qui a été enfoncé dans ta poitrine. Je dis, cet oiseau prend feu au nom de Jésus. Ça brûle en cendres au nom de Jésus. Tous est vomi. Je dis, tous est vomi l'effet de cet oiseau. Ça sort dans ta poitrine. Ça sort dans ta poitrine. Ça sort dans ta tête. Au nom puissant de Jésus, je dis cet oiseau sort, cet oiseau sort, cet oiseau sort avec son poison. Je dis ça sort, vomis tous et vomis. Bien-aimés, tous et vomis. Bien-aimés, tous et vomis. Tous et vomis. Cet oiseau sort au nom de Jésus. Je dis ça sort et ça prend feu. Ça sort et ça prend feu. Ça sort et ça prend feu. De ta tête, ça sort. Ça libère ta tête. Ça libère ton dos. Ça libère ta poitrine. Au nom puissant de Jésus. Je dis, je commande à tout oiseau qui a été planté dans une poitrine. Je dis au nom de Jésus, cet oiseau meurt. Je dis au nom de Jésus, ça meurt. Je dis, ça meurt. Tu tousses et tu le vomis. Tu tousses et tu le vomis. Tu tousses et tu le vomis. Et ta poitrine est libérée. Et ton dos est libéré. Et ton estomac est libéré, et ta tête est libérée, au nom de Jésus. Je déclare sur toi que tout animal de sorcellerie dans ton corps sort. Je dis animal de sorcellerie dans un corps, tu sors. Toi, le seul chien, tu sors. Toi, ce rat, tu sors. Toi, cette souris, tu sors. Toi, ce serpent, tu sors, que tu sois le Léviathan, que tu sois le crocodile, je dis, tu sors au nom de Jésus. Tu sors au nom de Jésus. Tu libères ce corps. Tu libères ce corps. Je t'ordonne de sortir. Je t'ordonne de sortir. Je te déclare impuissant dans ce corps. Je te déclare inutile dans ce corps. Tu sors et tu libères le corps de ce frère. Je dis, tu libères ce corps. Et les envies désordonnées le quittent au nom de Jésus. Tu libères son corps et les envies désordonnées te quittent. Les envies désordonnées te quittent au nom puissant de Jésus. Toi, cette souris, impartie dans son corps, tu libères, tu libères, tu libères au nom de Jésus. Et tout esprit de pauvreté et de misère.
quitte cette famille. Quitte cette famille au nom puissant de Jésus. Toi, ce serpent, tu t'en vas. J'ai dit, tu t'en vas. Tu t'en vas. Je te traque et tu sors de son corps. Je dis, tu sors du corps du bien-aimé au nom puissant de Jésus. Tu sors du corps du bien-aimé au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Bien-aimé, lorsque nous sommes en Jésus, lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, lorsque nous avons dit oui à Jésus, il peut arriver que nous ayons encore des sensations, des sens. Il peut arriver que nous prions, mais que dans nos sens, qu'on ressente encore des choses. Je vais te dire que ce n'est pas le moment de te décourager. Ce n'est pas le moment de penser que tu as perdu la bataille. Non, tu es en train de la gagner. Lorsque tu sens ces choses qu'on est en train d'évoquer en mouvement dans ton corps, ça veut réellement dire que tu es en train de gagner cette bataille. Parce que si ces choses n'étaient pas attaquées dans ton corps, tu n'allais pas les ressentir. Donc, il faut persévérer dans la prière. Il y a des hommes forts comme les Balaam, comme les Sambala et les Tobija sur vos vies qui doivent tomber. Et vous devez vous lever pour faire tomber ces hommes forts. Vous devez vous lever pour anéantir leur puissance. Vous devez vous lever pour écrouler, tous, faire tomber tout ce qu'ils ont manigancé. Dis avec moi par l'épée de l'esprit. Je déconnecte mon nombril de celui des membres de ma famille et celui des membres de ma famille des entrailles de la sorcellerie familiale. Au nom de Jésus, bien-aimé, mets le doigt sur le nombril. Tu peux pas déconnecter ton nombril et celui des membres de ta famille des entrailles de la sorcellerie sans que tu ne touches ton nombril. Donc, mets le doigt sur le nombril. Dis avec moi par l'épée de l'esprit. Je déconnecte mon nombril. Je déconnecte le nombril des membres de ma famille. Ça veut dire que tes enfants, le nombril des membres de la famille, de ta famille, par alliance, de ton mari, de la sorcellerie familiale, déconnecte-les. Déconnecte-les nom par nom. Prononce ton nom, tu dis moi tel. Je déconnecte mon nombril des entrailles de ma famille, de la sorcellerie familiale, de telle tribu, de telle lignée sanguine. Tu peux dire, moi tel, parent de tel, je déconnecte mon fils tel, des entrailles de la sorcellerie de ma famille, au nom de Jésus. Tu peux dire, moi tel, époux ou épouse de tel, je déconnecte mon épouse, je déconnecte mon époux de la sorcellerie familiale, au nom de Jésus. Bien-aimé, continue à déconnecter les membres de ta famille et toi-même de la sorcellerie familiale. Déconnecte-les. En cette saison, personne ne doit être encore connecté à la sorcellerie familiale. Déconnecte les membres de ta famille. Déconnecte tous ceux-là qui doivent être déconnectés de la sorcellerie familiale au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière, prenons rendez-vous demain à la même heure. Nous bénissons notre Père spirituel, le prophète Jean Colézoa, qui nous a donné l'occasion de travailler cette nuit. Que sa coupe déborde au nom de Jésus. Nous vous invitons à continuer à être dans le jeûne pour ceux qui peuvent être dans le jeûne. Le jeûne, c'est de 6h à 18h, de lundi à vendredi. Et samedi et dimanche, c'est de 6h à 14h. Alors, méditez la parole de Dieu. Soyez remplis de Christ, du Saint-Esprit, lorsque vous venez vous entrez dans ces moments de prière. Et je vais vous exhorter à continuer à prier cette nuit. La fin de la session de prière ne veut pas dire la fin de la prière dans les maisons. Donc, vous pouvez continuer à prier dans vos maisons et demander à Dieu, Seigneur, montre-moi les problèmes par lesquels, montre-moi les voies, montre-moi ce qui a été fait, montre-moi les problèmes,
les situations par lesquelles je passe. Montre-moi les creux des problèmes. Montre-moi ce qui tourmente. Montre-moi ce qui est à la base des problèmes que tel enfant que j'ai enfanté ou de ma famille passe. Montre-moi. Parce que lorsqu'on traque la sorcellerie, le Seigneur est capable de nous montrer. Il est capable de nous situer. C'est le moment où les problèmes pendants doivent être révélés. Et c'est le Saint-Esprit qui les révèle. Ne négligez pas vos rêves, ne négligez pas vos visions, ne négligez pas les révélations que vous avez en cette saison. Tout cela va participer pour expliquer les situations par lesquelles vous passez. Je vous recommande la grâce du Seigneur pendant que nous disons que le bonheur et la grâce nous accompagnent cette nuit. J'appelle le feu de Dieu à environner vos maisons, que les anges de Dieu soient présents dans toutes vos maisons, qu'ils sécurisent vos maisons, que les anges guerriers ne ménagent point leur épée. Ceux qui doivent être taillés seront taillés. Les bêtes de ténèbres qui entrent dans les maisons pour détruire, pour voler, pour dépouiller, ces bêtes meurent au nom de Jésus. Et toute personne qui avait pris pour refuge une bête pour traquer vos vies, cette personne va mourir au nom de Jésus. Je dis, elle va mourir. On va voir, on va retrouver des morts d'animaux, on va retrouver les souris qui sont mortes parce que nous ne sommes pas faits à l'image des souris, dont elles n'ont pas le droit de rester dans nos maisons, dont les souris vont mourir. Tous ceux-là qui sont des voleurs et des rongeurs de bénédictions, nous déclarons leur mort au nom de Jésus. Et les sorciers, nous environnons vos maisons dans la puissance de Jésus. Et ça sera une zone du Saint-Esprit pour chacun de vous. Que tu sois nouveau converti ou ancien converti, la même grâce est disponible pour tous. Shalom, shalom et à demain. Que Dieu vous bénisse. Amen.